L'objectif 12 des ODD, الهدف c'est-à-dire les objectifs de 12 développement durable, لأهداف التنمية proposé par المستدامة l'Assemblée التي générale des اقترحتها Nations Unies, جمعية الأمم vise à المتحدة instaurer des يهدف modes de consommation et de إدراج production durable. أنماط إنتاج Nous allons voir واستهلاك les مستدامة. interactions سنرى peuvent avoir ces التفاعل ODD بين avec les autres هذا objectifs de الهدف développement durable. En والأهداف s'appuyant sur الأخرى quelle de ces بالاستناد cibles que إلى sont les مجالات cibles التطبيق 12.2, التالية 12, 12.3 et 12.2, 12.4 3 و4 ومن et خلال بعض 12.4. الأمثلة Ces trois المحسوسة. cibles prônent une هذه gestion durable المجالات et تنادي l'utilisation بإدارة rationnelle des المستدامة ressources واستعمال naturelles, مرشد une réduction du للموارد، volume de déchets تقليص alimentaires par كم habitant et une perte النفايات de produits alimentaires, للإنسان et une الواحد gestion والهدر écologiquement rationnelle الغذائي des produits والاستعمال chimiques et المرشد des déchets. للمواد Pour produire الكيمياء des من أجل aliments, nous إنتاج utilisons des الغذاء ressources naturelles, نستعمل de موارد l'énergie, الطبيعية et nous générons والطاقة également des déchets tout au long du processus. ونولد Ce processus qui النفايات. va de هذه la العملية culture التي ou de تبدأ l'élevage بالزراعة à أو la بالتربية transformation industrielle لتصل au إلى supermarché التحول impacte الصناعي fortement la والسوبرماركت، qualité تؤثر de notre على environnement. نوعية Nous allons بيئتنا. voir سوف نرى quelques بعض exemples. الأمثلة. Par exemple, les مثلا besoins à l'eau pour 1 المياه، نحن kg نحتاج d'aliments produits لكيلو واحد varient de 700 بين litres pour 700 1 kg de blanc لتر للتفاح à إلى 19500 pour 15500 produire 1 kg de لتر viande bleue. للحم Un tiers de la البقر، production كيلو alimentaire الواحد. destinée à la ثلث transformation humaine est produite الإنتاج au gaspillage. الغذائي Soit يهدر، أي 1,3 milliard de 1,3 tonnes par an, مليار selon طن une étude à la وفقا BFAO en لدراسة قامت بها الفاو 2013. عام 2013. Cette هذا production الإنتاج alimentaire الغذائي perdue augmente المهدور inutilement يزيد l'impact de l'agriculture, وقع affectant une ressource naturelle, وقع c'est-à-dire les sols, الزراعة les على réserves en موارد eau, la biodiversité طبيعية et le بشتى climat. أشكالها. Les إن émissions liées à cet انبعاثات acte sont المرتبطة estimées à بها 3,7 تقدر gigatonnes de CO2 par an. ب 3,7 جيجاتون Seul le في troisième pays من émetteur الغازات de gaz à السنة، effet de أي serre après كأن les États-Unis هو et la البلد Chine. الثالث الذي يصدر هذه En الغازات. 2005, عام la capacité 2007 d'adapter قدرة à الأرض ce على régime d'alerte est تجدد évaluée قدرت à ب 11,9 milliards d'hectares globales, مليار alors que l'empreinte هكتار، في حين écologique de أن l'activité بصمة humaine s'élevait à النشاط 12 milliards الإنساني d'hectares globales. سجلت Alors, c'est quoi l'empreinte écologique? 10 مليار L'empreinte هكتار. écologique d'une البصمة population humaine mesure la surface البيئية nécessaire تقيس pour produire les المساحة ressources من أجل et pour absorber les إنتاج déchets qu'elle produit. الموارد واستيعاب Cela montre que le rythme d'exploitation des النفايات. وهذا ressources est يعني moins أننا important pour assurer أن une pérennité تجدد des الموارد stocks de capital يتم على naturel de la وتيرة planète. أقل من Alors que la population الوتيرة mondiale التي atteindra يستهلك فيها 9,5 الإنسان milliards d'habitants avec الموارد، une demande سيصبح alimentaire عددنا plus 9.5 importante en 2050. مليار Les projections نسبة عام estiment une augmentation de l'empreinte ٢٠٠٠٠ alimentaire de والطلب على الغذاء 13%. سيزيد حينها L'objectif de ب 35%. développement هدف durable التنمية 12 que nous 12 allons الذي aborder ici reconnaît le rôle سنتناوله essentiel يقر du plan بالدور face à la الأساسي consommation et de la production للاستهلاك dans le والإنتاج في développement التنمية durable. Il المستدامة. présente هو une يقدم opportunité de فرصة générer des synergies لليه avec les autres التشابك ODD. مع C'est ce que nous الأهداف allons voir الأخرى. هذا ما avec quelques سنراه من exemples. خلال Le أمثلة. premier المثل exemple que الأول nous allons الذي voir سنراه concerne la gestion يتعلق des sols بإدارة cultivés. C'est lié الأراضي à l'ajustement المزروعة، وهذا climatique. مرتبط C'est-à-dire بالتغير l'année المناخي، 2013. أي Tant en الهدف ce qui concerne la 13 réduction des وأتعلق émissions de gaz à ذلك effet de serre que بتقليص l'adaptation des غازات systèmes de الانحباس الحراري production. أو أنظمة الإنتاج. L'agriculture إن الزراعة représente en même تمثل temps في une الوقت source نفسه d'émissions de مصدرا gaz à effet de serre, mais لانبعاث également un puits الغازات ou un وبئرا moyen de stocker du carbone. لتخزين Par الكربون. exemple, مثلا l'initiative مبادرة 4 pour 1 أربعة lancée par la France lors de la COP بالألف 22 a التي pour but أطلقت، الهدف principal منها d'améliorer la séquestration تحسين du حبس carbone des الكربون sols. في Il s'agit الأرض. donc d'une إذا synergie allant هذا production du يت gaz à effet du climat. هذه المبادرة تأخذ بعين L'initiative prend en الاعتبار compte أيضا également la sécurité الأمن alimentaire des populations, الغذائي donc pour للسكان produire dans وفقا l'objectif de développement للهدف durable et 2 l'agriculture, وحماية protection de la biodiversité pour التنوع 2015 14. البيولوجي وفقا Elle contribue لمجال aussi à التطبيق rendre la 14 gestion des emissions de و15. gaz à effet يجب de serre أن agricole plus cohérente avec l'objectif de réduction de تصبح la pauvreté dans الزراعة l'objectif climat, لكن lequel vise مرشدة، notamment à وأن maintenir la تسمح santé des plus للأكثر pauvres et فقرا ressources من économiques أن et au contrôle de ينفذ l'ERE. إلى الغذاء مع مراعاة الطبيعة. إن هذه Enfin, la réalisation de cette المبادرة initiative nécessite des بحاجة instituts, des لمؤسسات institutions من أجل capables de تأمين fournir le cadre الإطار، nécessaire à travers وهذا ما هو l'objectif 16 مجال التطبيق et السادس dépend عشر des أو partenariats pour le développement durable.
مجال التطبيق الثاني عشر L'objectif يجعلنا 12 vise نفكر également à faire réfléchir les كمستهلكين consommateurs sur le بالنفايات rapport avec les المولدة objets utilisés, les déchets générés et وتأثيرها على l'environnement sur la planète. الكوكب. Les يجب أن ordures تعتبر هذه ménagères, par exemple, devraient être النفايات considérées على أنها comme des موارد ressources. وليس Pardon, devraient être كنفايات، considérées comme des وهنالك ressources et non des déchets. ممارسات تتعلق Les pratiques liées à بالاقتصاد l'économie circulaire, le الدائري compostage, la تسمح méthanisation valorisent le باستغلال potentiel agricole هذه d'énergie de ces النفايات ordures. من أجل L'utilisation du الأسمدة compost issu de ces مما déchets يزيد permet d'améliorer الخصوبة l'équilibre ومن atmosphérique أجل des إنتاج sols du الميثان privé et de أيضا، contribuer à وهذا stockage de carbone يسمح à إذا l'action كما قلت climatique. بتحسين Elle الخصوبة permet وتقليص d'améliorer la استعمال fertilité des الأسمدة sols, donc de الكيماوية، réduire l'usage des engrais tout en وهذا augmentant يسمح la باستمرار productivité, في donc la الإنتاج sécurité وبالتالي alimentaire تقليص et الفقر la santé des populations. وتحسين Elle تنوع permet الحيوي également d'améliorer وبالتالي la حماية biodiversité, donc la النظم préservation des البيئية. écosystèmes et la أما qualité des بالنسبة ressources en eau. للموارد Et pour les المياه ressources en eau, نعرف le بأن DSS, nous savons الزراعة que تستهلك l'agriculture est un grand utilisateur المياه d'eau douce, الحلوة، ce qui وهذا pose un تحد défi بالنسبة au لاستدامة prélèvement et à المياه، l'approvisionnement وهذا durable des eaux. Donc, يتعلق c'est-à-dire à l'objectif 6, بالهدف 4. Mais la ستة، consommation durable et la réduction des déchets وإنما permettra de réduire la surdeforestation des ressources en من eau خلال et تقليص d'améliorer la التلوث qualité des eaux de par سنحسن la الحفاظ réduction على de la pollution. المياه. إن La consommation الاستهلاك responsable المسؤول déclenche une يؤدي إلى production إدارة responsable مسؤولة et minimise ويقلل les من déchets, التأثير على minimisant ainsi البيئة la quantité ويسمح d'énergie associée بإدارة à la gestion de ces رشيدة derniers. ويسمح C'est pourquoi باستعمال الموارد elle الطبيعية encourage à بطريقة utiliser les والطاقة ressources naturelles بطريقة et l'énergie ناجعة de ووضع manière بنى تحتية efficace et à مستدامة، mettre en place وهذا des سوف يسمح infrastructures durables. بأن ننفذ جميعا Ce qui إلى permettra d'assurer à الخدمات tous الأساسية l'accès aux وإلى services de العمالة base, الخضراء à des وإلى emplois verts et نوعية décents حياة et أفضل. à une meilleure qualité de vie. Thank you.